Leur mérite est reconnu pour leur contribution au développement de la Côte d'Ivoire. Je voulais vous dire félicitations déjà et faire en sorte que notre rencontre de ce soir soit simplement une rencontre amicale, fraternelle et une rencontre qui nous permet d'être en rapport avec ce que l'on devrait faire, c'est-à-dire poser des décorations. Et pour cette rencontre amicale et fraternelle, 8 personnalités ont été distinguées dans l'ordre national, parmi lesquelles le président de l'Assemblée nationale Amadou Soumaoro et le médiateur de la République Adama Toungara ont été élevés à la dignité de grand officier de l'ordre national par la grande chancelière de l'ordre national Henriette Dagli Diabaté, 4 au grade de commandeur de l'ordre national et 2 au grade d'officier de l'ordre national. Pour leur mérite et la qualité de leur engagement professionnel et social. Je suis heureuse, heureuse et fière en même temps de servir la nation à ce niveau et que la nation soit reconnaissante de nos efforts et de ce que nous faisons pour toute la population ivoirienne. Alors j'aimerais remercier le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Quand l'on vous confie une mission, et qu'à mi-chemin, celui qui vous a confié cette mission reconnaît en vous les efforts que vous fournissez et décide de vous élever à un grade aussi élevé que le grade de commandeur dans l'ordre national, cela ne peut que faire plaisir. Aujourd'hui, commandeur dans l'ordre national, ça veut dire que en choisissant de servir le leadership du président Alassane Ouattara, j'ai vu juste. Et c'est ce que je voudrais que lui soit retienne de ma vie politique. Cette distinction, je la porte aussi fièrement au nom de l'institution de médiateur de la République qui œuvre tous les jours à maintenir la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Cette cérémonie de distinction fait suite à celle organisée le 15 octobre dernier, où 22 personnalités ont été distinguées, dont 6 à la dignité de grand officier, et parmi lesquelles le Premier ministre Patrick Achie.